Bonjour à tous les philatélistes et merci à vous de me suivre sur cette chaîne qui enregistre de nouveaux abonnés chaque semaine, je vous en remercie sincèrement. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver le lien pour accéder à notre site ou encore pour accéder à ce timbre. Aujourd'hui, un timbre cubain de 2009 qui fut émis le 8 octobre 2009 pour l'anniversaire de l'aviation cubaine. La République de Cuba est un État insulaire des Caraïbes formé de l'île de Cuba, de l'île de la Jeunesse et de 4095 quais et îlots. Cuba est située à l'ouest des Grandes Antilles, à la confluence de la mer des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique. Première île des Caraïbes en termes de superficie, Cuba a pour capitale la Havane et sa langue officielle est l'espagnol, car Cuba a été une colonie espagnole de 1492 à 1898, puis est devenue un territoire des États-Unis jusqu'au 20 mai 1902. Puis survient la révolution cubaine de 1959, où le pays se définit alors comme une république socialiste, bien que Fidel Castro n'officialise le caractère socialiste du régime que le 17 août 1961, à la suite de l'épisode de la baie des cochons. Le timbre que je vous présente aujourd'hui a été édité pour le 80e anniversaire de la compagnie aérienne Cubana. Cette compagnie aérienne est la Compagnie nationale cubaine et cela a été fondée le 8 octobre 1929. Son siège social est à La Havane, son aéroport principal est l'aéroport international José Martí, situé à 15 km au sud-ouest de La Havane. Depuis 1959, la compagnie est propriété intégrale du gouvernement et son nom officiel est Cubana de Aviación. Mais avant cette date, Cubana était une compagnie privée détenue par des investisseurs cubains. Merci à vous de m'avoir écouté. Nous reparlerons de Cuba dans une autre vidéo afin de découvrir un peu mieux ce pays. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.